circuit crawler de Yafuka pour vous montrer un peu les capacités de ce Veltols. Donc là, on est à Rock Bunster. Waouh! On a fond, hein. Ah, bon, c'est un peu l'inconvénient de ces coques, de ces magnétiques. Bon, voilà. Donc on est vraiment là en fonction à fond dans les ballons. C'est la vitesse. Bon, la lipo est un peu entamée aussi. Bon, vous voyez que ça absorbe pas mal les obscurités. Bon, on va essayer un peu de se mettre en première pour aller arpenter un peu tout ça. Ils ont bien bossé les garçons, hein. Punaise. Regarde. Regarde, t'as vu le pont comme il est? Et ça passe, hein, mon ami. Mais franchement, je trouve que pour le prix, il y a quand même quelque chose qui ne crapa eu pas trop mal. Alors, effectivement, après. On va repartir sur l'aspect. Voilà. On va repartir, on va prendre le vélan. Waouh! Alors, on va mettre la seconde. Voilà la première. Donc c'est là où il y a peut-être un peu, peut-être un manqué, qui manque un poco de Andrax. Tout simplement des pneus un peu plus chers, hein, parce que là il manque pas grand chose. Ouais, il manque vraiment pas grand chose pour que ça passe. On va remettre en première. Voilà. Donc, tu vois bien quand même le train arrière qui travaille super bien. Et mine de rien, le brushless fait que ça coque pas trop que ça. Ça coque un peu plus. Regarde. Ah, ça coque un tout petit peu plus que le charbon, c'est sûr. Par contre, niveau consommation et... niveau consommation, après je suis pas un grand fa... je suis pas un grand spécialiste, hein. C'est sûr. On n'est pas enfin, honnêtement, on est quand même. Ça franchit quand même pas trop mal ce truc-là. Allez, on va s'essayer sur le. Sur d'autres petits agrès.
C'est trop facile. Il débrouille pas mal, mon kiki, quand même. Mine de rien, mine de crayon. Oui, c'est un peu facile ce petit décrochage là. Les deux battements qu'il a. Aucun problème. Et la seconde. La basse coule, la basse coule. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Ma faute, ma faute, ma faute, ma faute. Ouais, c'est, il est même trop large. Je crois ça. Hop. Voilà, maintenant on revient. On va mettre tout droit. Pour que t'as dormi. Non, moi ça bascule. Voilà. Oui. Non, moi c'est pas censé le jeter en l'air. Donc tous ceux qui veulent effectivement encore remettre deux vis, il y a encore de quoi mettre les deux vis. Hein. Voilà. T'as vu ce pont? Eh, facile hein. Alors, c'est les descentes où je suis un peu moins à l'aise, hein, ça vous reconnaître. Donc on va essayer de descendre par là-haut. Voilà, c'est le plus simple. Même en booster, ils se démerdent, hein, le pépère. Alors, on va voir. Il tire à monter là. Je suis pas sûr. Hein. C'est raide là. Ouais, c'est là que tu vois que, comme il y a un diff qui est devant. Ouais. Il y a un diff devant qui est pas bloqué. C'est là que les capacités de franchissement sont un peu limites. Wow.
Bah, en tout cas, je trouve, honnêtement, je suis plutôt surpris. Par les capacités de ce petit bordel. Honnêtement, c'est vraiment ridicule. Et toi, même les vers, les poils, grâce au plomb dans les jantes, il n'est pas facilement retournable. On arrivera à remonter là-haut direct. Non, j'ai pas un petit. On va passer par là-bas. Seconde. Allez, première. Je suis sûr qu'avec des meilleurs pneus, dans des vrais Hyrax, il fera malheur. Voilà, donc je vais montrer. Bah, tu regardes quand même, il y a quand même un légèrement bon croisement de pont quand même, les mecs, non? Oh, t'as vu ça, grâce au plomb? Ils se démerdent là, quand même, franchement ils se démerdent. Ils se débrouillent, mais je trouve super bien. Donc voilà, vitesse maximum, tranquille. Ouais, un peu aller fort dans les cailloux. Voilà, essayer de tenter les Rock Bunter. Peut-être que les passe celle-là, tu vois. Wow. Genre les montées extrêmes. Mais en première, franchement, il est. Moi je trouve, j'ai pas une grosse expérience, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les capacités de ce petit truc. Je trouve que c'est plutôt correct. Voilà, allez, on va passer au TT. Ciao.